Bonjour à tous. Dans tous les jeux que je vous ai présentés lors des rétros, c'était principalement de l'action et de la plateforme. Et comme je voulais vous montrer autre chose, je suis parti dans la direction du point and click avec Beneath the Steel Sky. Beneath the Steel Sky est un jeu vidéo d'aventure point and click qui se déroule dans un univers de science-fiction proche du cyberpunk, créé par le studio Revolution Software et publié par Virgin Interactive. Le jeu est sorti en 1994 sur Amiga et PC et est disponible sur iPhone depuis 2009. La séquence d'introduction et la bande dessinée fournie avec le jeu racontent les événements qui précèdent l'aventure. Les aborigènes de l'arrière-pays australien recueillent un orphelin ayant survécu à un crash d'hélicoptère et l'appellent Robert Foster en s'inspirant visiblement d'une étiquette de bière. Lorsque l'enfant atteint l'âge adulte, de mystérieux soldats viennent le récupérer de force puis annulent sa tribu. Arrivé en ville, le héros survit à un nouvel accident d'hélicoptère et s'enfuit, déterminé à découvrir les responsables de son enlèvement et du massacre de sa tribu. Robert Foster découvre rapidement que ces soldats étaient des membres du service de sécurité envoyé par Link, l'intelligence artificielle qui contrôle la ville d'Union City. Il frôle encore la mort lorsqu'il croise une seconde fois l'officier Reich, ayant lui aussi survécu à l'accident et chargé de le ramener coûte que coûte. À l'issue de leur rencontre, il apprend que son vrai nom est Overman. Le reste de son passé se révélera progressivement pendant l'exploration de cette cité dangereuse où tout le monde est appelé à rester vigilant. Voilà pour Beneath the Steel Sky, et c'est un jeu cool. J'ai jamais joué à ce type de jeu jusqu'à maintenant, et c'est dommage car quand je joue à Beneath the Steel Sky, je me dis que je passe à côté de pas mal de choses. D'autant plus que le jeu a été fait en collaboration avec Dave Gibbons, le co-créateur et directeur artistique du comic Watchmen, qui est le créateur de la BD livrée avec le jeu. De plus, le jeu ne manque pas d'humour et certaines scènes assez absurdes en deviennent drôles. C'est ce qui fait le secret de Révolution, des dialogues aux petits oignons sans tomber dans le loufoque pompeux ou le cynisme exacerbé. C'est assez rare pour être souligné, d'autant que la version française est vraiment irréprochable. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande le documentaire qui a été réalisé pour les 25 ans de Révolution, disponible sur Steam pour 8 € à l'heure actuelle ou directement dans le collector qui est trouvable pour une trentaine d'euros. Voilà qui conclut ce rétro sur Beneath the Steel Sky. J'espère que ça vous aura plu et si vous voulez l'essayer, il est gratuit sur GOG et disponible en abandonware depuis 2003. Vous pouvez aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour un nouveau rétro. Et restez vigilants!